OK, bonjour tout le monde. Et moi, retourner avec nous encore pour une séance de formation PIC. Jeudi, nous avons un jour assez intéressant, côté que nous vraiment voulons parler surtout de problèmes sociaux. Et pour les gens qui ne connaissent pas qui ça PIC, c'est le programme idée à ton communautaire que Banjo a organisé, Banjo a propulsé avec support IRI et puis NED. Et puis, nous avons support toute mairie dans 9 communes qui touchent pour le programme, ça dans le nord avec nord-est. Et pour les gens qui ont besoin d'un update de qui genre activité ça a déroulé, et nous avons vraiment recevoir plus de 800 applications de jeunes qui sont dans le nord avec nord-est qui devraient participer. Le programme Idée à ton communauté, là, c'est un programme qui permet que nous prenions des jeunes, faire réfléchir entre eux et porter formation pour eux capables et penser avec des idées de projet pour zone la caillou. Pendant que nous avons porté un budget de 15 000 $ avec support incubateur Banche pour nous aider à réaliser le projet. Et jusqu'à présent, le projet a été assez excitant. Côté que nous jeunes dans pile participation de jeunes extraordinairement motivés. Et nous porter des formations pour eux qui sont tellement intéressantes pour eux. Côté que nous avons une chance pour rencontrer des gens. Edzer, Evadi Daniel, Ralph Emmanuel François, Cathy Flore, Sigino, un bon jeune qui est extrêmement dynamique, qui te pote un petit lossier connaissance pour yo, qui est capable de permettre yo avancer dans l'idée projet yo. Eh bien, après ça, que nous avons fait une série de formations pour yo, nous te vin permettre yo, pour yo, que nous te soumettre nos idées de projet pour zone yo. Nous recevoir pratiquement 61 idées de projet. Et hier, nous t'ai annoncé projet qui était sélectionné pour prochaine étape, que nous avons 35 projets. Et parmi 35 projets, on a choisi 9 projets là-dedans. Donc, nous avons vraiment pratiquement dernière ligne droite formation que nous avons fait pour jeunes. Et nous comptons et nous ouvrons formation ça à tout le monde. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement servir jeunes, mais permettre que le projet ait un effet secondaire extraordinaire pour des gens qui, à travers le pays, ou quel que soit jeune, quel que soit côtoyé, ou capable toucher par formation, ça qui peut-être permettre aux bons outils pour capable, même dans une communauté, pour la caillou, ou capable créer projet. Qui j'en ai monté un budget, qui j'en ai fait suivi, évaluation, qui j'en capable de une idée innovante pour projet, pour la caillou. Nous avons fait toute formation, ça. Et si tu rates formation, ça, ou qu'à toujours regarder et puis nous conseiller, suivre page YouTube Banjan. Côté que nous mettons tout projet, ça, toute formation, ça, disponible sur page YouTube là. N'importe qui l'ouvre, ou capable d'aller. Formation, ça, gratis, est ouvert avec tout jeune qui est intéressé à monter projet dans la communauté. Mais je dis, nous allons parler d'un projet qui est intéressant, côté que nous avons avec nous, et un projet qui est sorti dans l'île Haïti, qui est les communautés, côté que nous allons parler de problématiques, problèmes qui ont accès à l'information et connexion qui gagne entre zones municipales, mairies et population dans ces deux zones. Moi, particulièrement, nous rejoignons nous là. Nous demandons à monsieur pour lui ouvrir et caméra et tout pour lui capable de rentrer et participer avec nous. Et bien, nous avons avec nous un jeune qui est extrêmement intéressant, que moi très fier de lui, particulièrement tout moi-même, qui c'est Jude Lalanne. Jude Lalanne sorti, nous rencontrer Jude Lalanne dans le cadre d'un programme que nous faisons qui est l'Élan Haïti. Et en dans l'Élan Haïti, nous permettons dans le groupe Eco Haïti qui c'est une partenaire projet Satou et qui sont une association qui est très chère à moi, parce que c'est une association que moi cofondée avec un groupe d'amis dans l'université. Donc là, nous sommes jeunes, pleins d'énergie, côté que nous voulons impliquer nous tous dans le social, dans ce qu'a fait dans le pays. Nous sommes montés en Haïti pour nous être capables de permettre que jeunes dans la diaspora, jeunes dans 10 départements du pays, viennent rencontrer pendant 3 jours physiquement, et pour que ça nous permette de parler de Corona. Côté que nous sommes capables de réfléchir sur qui projet nous sommes capables de faire ensemble pour attaquer ces problématiques, pendant que vous-même, comme jeunes, vous avez mis vos ressources ensemble pour créer le projet. Nous avons fait ça depuis 2014 avec Elan, et nous avons une communauté qui a plus de 300 jeunes leaders à travers le pays, non international. Je vous dis, vous rejoignez dans le gros journal qui a fait dans le pays, vous avez travaillé dans toute grande ambassade, vous avez international, vous avez l'école Stanford, vous avez l'école de tous côtés dans le monde, et vous avez fait des activités extraordinaires. Nous sommes très fiers du réseau ça. Et bien, il y a un jeune saillot qui avait nous aujourd'hui, c'est Jude Lalanne, qui lui-même t'a porté en dans Elan et 2018 et un projet qui est les communautés. Je vais permettre nous et parler avec lui plus en détail sur le projet communauté maintenant et la présenter tête lui tout. Et projet communauté maintenant, justement, déjà commencé à implémenter en dans mairie d'Elma, qui c'est une application qui permet de connecter population avec mairie. Là-bas, nous plus détails tout à l'heure. Et
Le projet ça a fond pas en plus, il est venu dans nous. C'est ça qui fait que nous avons trouvé intéressant pour nous partager le projet ça avec nous, nous-mêmes qui là, parce que le projet ça a dans nous et parce que il est dans nous, les plus proches communautés qui touchées par le programme PIC. Avant que nous rentrions dans la présentation avec Jude, on fait nous rapidement une petite vidéo, côté que monsieur a présenté nous et projet, et pas projet, non, on a présenté nos applications que monsieur a parlé à. Et avant même que monsieur parle, m'a juste mis dans le bain pour nous capables ouais, de qui ça m'a parlé, de parler de communauté. Après ça, nous allons entrer dans un petit détail, parler en pile, qui pour permettre nous-mêmes apprendre plus de projet ça, et puis qui gens ou même ou capables peut-être utiliser technologie ou bien réfléchir sur problématique, accès à information et qui gens capables connecter plus bien avec mairie Bolakay. Eh bien, mes amis, c'est ça qui communauté. Et côté que là, nous allons rapidement faire place à panel noir. Et Jude, bienvenue dans PIC, formation ça. Il y a un pile de jeunes qui parlent pour venir écouter vous et pour capable partager l'expérience et surtout poser problème, question, accès à l'information que vous-même avez identifié. Et pour te commencer, pour ça, tu commences Delma, parlez-moi de l'histoire projet et vraiment aider ou inspirer pour ça. Merci, Macalain, pour la présentation. Donc déjà, nous commençons avec vidéo qui déjà mettait participants dans plein en projet communautaire. Mais, qu'est-ce qu'on fait une introduction pour parler de comment l'idée communautaire prend naissance. Jean-Macalain était dit ça d'ailleurs. Donc, communautaire prend naissance à partir de Elan Haïti. Et l'Haïti, qui sont un symposium international qui est organisé chaque 2 ans par groupe ECO. Et que notre cadre, édition qui était faite en 2018, là, il y a 25 jeunes qui ont réfléchi sur le problème qui est lié avec la thématique gouvernance locale. Et justement, dans réfléchir, ils ont essayé d'identifier le problème et essayer tout, jeunes une solution ou bien contribuer pour essayer de résoudre le problème qu'ils ont identifié. C'est comme ça que communauté, en fait, groupe 25 jeunes, ils créent un projet qui est les communautés. Et pour bien nous identifier, qui a un rapport avec gouvernance locale, qui était thématique que nous avons réfléchi sur les liens, identifier les problèmes, tant que
citoyen qui pas vraiment au courant de qui ça la mairie a réglé. Pas intéressé même à mairie du tout. Et plus concentré vers l'État central. Comme pas une décentralisation, pas une déconcentration de services publics, et concentré vers l'État central. Donc attribution, mission mairie, il pas trop connaît, pas trop exigeant envers tout. Et en l'autre bord mairie tout qui pas axé action sur offrir un service public à population, voire un service public de qualité. Donc c'est comme ça nous-mêmes nous venons avec un projet communauté. Donc nous là, nous essayons de répondre à un service public. En faiblesse que l'État a gagné dans façon que la desservir population en termes de service public et nous-mêmes nous essayons porter contribution par nous pour essayer améliorer ça. Mais de façon générale, étant donné que là nous dans quatre pics et que là nous avons des idées de projets que nous allons essayer implémenter, donc moi vais élargir le contexte en plus. Mais pour nous concentrer nous sur le niveau gouvernance locale, on parle de services publics de façon générale. Pour ça, on pense que chaque monde qui est là, qui a suivi un live là, est capable de gagner des idées de projet qui est lié avec l'entrepreneuriat social. Parce qu'à chaque faiblesse, chaque lacune que le service public a gagné, que l'État a gagné, la façon qu'il a offert le service public, c'est une opportunité liée à les jeunes qui ont prendre des initiatives d'entrepreneuriat social. Donc, on parle de services publics en Haïti. Donc, pour ça, on considère trois niveaux. On a parlé premièrement de l'existence, on a parlé de l'accessibilité, ensuite on a parlé de qualité. Pour l'existence du service public. Déjà, nous connaissons l'État pour les bail services publics. C'est attribution, c'est mission de l'État, ça, c'est assurer le bonheur citoyen à travers le service public que la bail. Les outils que l'on gagne, c'est l'administration publique. Qui constitue un ensemble d'institutions, soit ministère, soit entité publique, qui gagne des attributions pour offrir des services publics. Maintenant, est-ce que toute institution sérieux, ministère sérieux, est-ce qu'il offre service public sérieux? L'antique chef d'affaires, une phrase qui était marquée, une phrase un peu fort. Il dit si tu as fermé, tu as pris quelques ministères, ou fermé, population est capable de sentir ça. Ça veut dire que le service public qui a eu comme attribution, puis au bail, il n'y a pas fait, il n'y a pas arrivé sur la population. Et si tu as fermé, il n'y a aucune incidence sur la vie de la population. Ça te fait ça. Bon, j'ai une chance pour ma travail dans l'État et pour ma faire audit tout en administration publique nationale là. Donc ça qui bon, yon qui ka permettre moi en une idée de qui ça qui cause ça. Et principale cause là, c'est absence activité qui sorti ou bien qui accès sous mission fondamentale institutionnelle. Ça veut dire. En pile ministère, en pile entité publique qui arrivé activité qui a mené yo plus lié avec administration yo plus abgéré à fonger sur administratif de boîte yo de boîte l'état yo au lieu puis mener activité qui allait vers attribution yo. Et ça fait loi les entité publique on prend plus personnel de soutien donc comme jeune comptable ou jeune chauffeur ou jeune ménager ou jeune commis administratif ou jeune monde dans ressources humaines au lieu que jeune cadre technique qui fait activité qui lié avec attribution entité a. Ça qui vient faire que le plus abjuré administration au lieu qu'il y ait accès à l'activité sous mission fondamentale qui c'est bail un service public. L'autre problème qui lié avec service public, c'est accessibilité. Des fois, le service n'a pas existé. Là, il existait, problème d'accessibilité. Il y a une concentration service public. L'État n'est pas déconcentré. Voir pour le décentraliser, c'est-à-dire pour le transférer responsabilité à compétence à l'autre entité qui est plus proche de la population. Tout service public est concentré au niveau central. Ou en province, ou bien quelques activités de service public que tu as envie de jouer, assez souvent, vous obligé d'entrer pour la province. Il y a une déconcentration qui est faite au niveau de la direction départementale.
et pas transférer compétence vraiment par direction départementale. Ces informations que vous prenez au niveau département, vous transférez vers Port-au-Prince, c'est que Port-au-Prince a une compétence et une qualité pour le service public. Là. Et ça fait n'importe quel problème qui a gagné au niveau département, c'est Port-au-Prince que vous êtes obligé d'entrer pour venir résoudre ça. Ça, c'est au niveau départemental. Mais dans la commune, l'État pratiquement pas existé. Généralement, dans la commune que je passe, c'est trois entités de l'État qui sont représentées. Ou jeune la mairie, ou jeune police, ou jeune DG. Et pratiquement l'autre service public, ou pas jeune. Donc, il y a un problème de concentration service public. Il y a une discrimination dans la façon qu'il y a bail service public. Parler français, pas parler français, autorité à autorité, façon habillée, couleur peau, fille ou garçon, tout ça, c'est des critères discriminants qui ont accès ou pas avec service public. Bon, juste une illustration, un peu une fille et un garçon. On fille, ou belle, ou frère, ou aller en service dans l'État, si son fille qui accueille ou, ou qu'elle va jouer un service là. Mais par contre, si son garçon qui accueille ou, comme un service VIP. Mais attendez, il n'y a pas de niveau téléphone. Non. Donc, dépendamment, il y a des critères discriminants qui ne viennent pas avoir accès à quelques services publics. Il y a un autre problème encore qui est lié à l'accessibilité des services publics. C'est une catégorie de population que vous ignorez ou bien que vous n'avez pas accès avec eux. Handicapés, par exemple. Est-ce que tout bâtiment public, est-ce qu'il est accessible à moun qui est handicapé? Est-ce que l'administration qui l'a accueilli moun, est-ce qu'il y a un monde qui est capable de recevoir un monde qui est bébé, par exemple? Donc, une catégorie de population qui n'a pas accès avec le service public. Il y a un autre problème qui est lié avec l'accessibilité du service public. C'est l'information. Et pour ça, important parce que c'est sous ça que la communauté, mais c'est joué. Et c'est pour ton solution. Manquer d'information. Est-ce qu'on tout bagage administratif qu'il y a avec l'État qu'on vient pour régler, est-ce qu'on qui ministère, qui entité publique qui baille service ça? Est-ce qu'on qui ça quoi besoin en termes de papier, quantité d'argent pour régler ça? Généralement pas qu'on est. Et ça qui vient baille en circuit parallèle là qui sera critère. Imaginez que vous service public là il existe, que vous gain accès avec. On parle de qualité service ça bonya. Accueil dans l'administration publique là son bagage était chargé. Façon que mon accueil là on dit que ou déranger le dans ça la faire. Ou pas supposé vinn boter. Au mon là c'est ça li là pour le faire. Tant que ou a perdu. Ou bon bagage pour régler dans l'état, ou même tout dit que ou perdu une journée ou me perdu deux journées. Pour régler yon pour jouer nos papiers, son en extra d'achat, pour dédouaner nos machines. On m'a tout dit qu'on perd une journée. On perd du temps. Et le problème, ça, tout, qu'il faut perdre du temps, il y a tout avec front office, avec back office. Moi, c'est un usage du service public ou bien son contribuable. Démarche qu'on fait pour me jouer un service, je ne suis pas obligé au cours. Déjà, j'ai accès à tout. Information qu'il y a avec service que j'ai besoin. Moi, je viens avec tout papier ça. Je me présente le bail au monde qui est là dans le front office qui bien accueilli. Mais tout démarche qui va le faire dans le back office, ce n'est pas moi qui est obligé de faire. Par exemple, je vais le dédouaner en machine, c'est moi qui vous prends le dossier. Je vais le dédouaner sur ça, je vais le dédouaner signature ça. Tout le monde ça va disponible, pas de signal. Je ne pas obligé au courant de ça. Je ne pas obligé de toute information de tout côté que je faire. Et là, on va l'obliger dans le pays, dans le système parallèle là, pour accueillir. Ça a fait du temps. Donc, existence de service public, accessibilité et qualité de service, c'est là tout problème que l'État a gagné pour répondre avec attribution et mission envers les citoyens. Excellent. Mais, problème ça, ce sont sources d'opportunités. Tout. C'est ça, m'a parlé de justement. On parle de ça plus. Parce que lorsque le service n'a pas dispensé le service, ça, ou même en tant que jeune qui a subi des problèmes, il y a des idées d'entrepreneuriat social. Et c'est justement dans le cadre de ça que la communauté vient entrer. Mais avant que nous parlions plus de communauté,
Mais on vit que Patrick Almonor parlait sous qui j'en faiblesse à eux. Manque, en fait, inexistence service public, inaccessibilité, à qualité service à eux, qui j'en qui a constitué un frein pour développement, organisation ou bien entreprise. Yo. Donc, si Patrick Almonor disponible, on a envie que de discuter de sujet ça ensemble avec nous. Mais il faut présenter mon yo Patrick Almonor tout qui est lié pour que ça et communauté m'a décidé inviter lui comme panéliste dans cadre travail ça. Bon, communauté m'a choisi Patrick Almonor déjà lycée communauté m'a lancé très bientôt dans commune Cap-Haïtien et lycée meilleur adjoint dans commune Cap-Haïtien et Patrick Almonor tout il était président chambre commerce et industrie dans département Nord. Donc, il est bien vu de qui genre l'État a constitué un frein pour l'entreprise ou pour l'organisation. Et en même temps, tous sont acteurs dans l'État. Donc, là, plus ou moins, il y a un point de vue général de situation. Donc, je pense que c'est un monde qui est très bien placé pour parler de ce sujet. Excellent. Je suis content de m'accueillir au Patrick Almonor. Je me rappelle que je ne suis pas président de Chamna pour ne pas avoir de problème avec personne. Je suis fait partie du comité et Chamna. Donc, ou vraiment jouer de rôle, ou faire public là, ou te faire privé avant. Après ça, quand là, ou vient entrer dans public là, parce qu'on rentre dans la mairie Cap-Haïtien. Donc, il est vraiment intéressant. Et m'a rappelé que c'était justement après lancement communauté, m'a fait dans Bange. Et puis, nous était live. Pour les gens qui a dit que live n'est pas utile ou bien technologie pas servi, c'est surtout accès à la communication. Et m'a rappelé bien que après que communauté m'a financé, il est ça dans la mairie, à premier ça a été fait. C'est contacter, courir, contacter, demander qui j'en suis capable de connecter avec Jean Sayo. Et moi, vraiment très content que la communauté nous a fait route pour nous, après que le délancé Delma, qui est une pigou commune dans le pays, qu'on a libéré 4 haïtiens pour nous commencer à rentrer dans la logique, by plus moun accès à l'application. Et l'idée à tout, c'est que jeune qui a gardé la ça ou bien qui a le temps de lire après, pour y avoir un exemple de un jeune qui crée une application qui a desservi une communauté et puis qu'on a là, scale qui a passé à l'échelle qui va dans l'autre communauté et pour qui part dans l'autre communauté encore qui ouvert à recevoir application communauté maintenant pour l'utiliser. Donc particulièrement là, bienvenue dans PIC formation à faire et là on a la parole. Bonjour, ça va? Vous entendez bien là? Entendu très bien. Bienvenue chef. Regardez-moi très bien. Très bien. Ok, merci Macalin, merci Lalane, et son plaisir, son honneur pour que Martin m'a avec nous dans un cadre et format émission et formation et on a essayé faire pour former jeunes parce que je dis à un besoin et pour former jeunes parce que nous on pays cap dégringolé et nous on pays même l'école même université je dis à information y a bayo. Il n'y a pas approprié par rapport à la jeunesse que nous avons. Et le pays nous réveille, et je dis que la contribution, ça n'a pas fait en basse rigon coup. Et moi, félicite nous pour l'initiative. Et nous-mêmes, tout, beaucoup de panneaux dans le Nord, beaucoup de panneaux dans le Cap-Haïtien, nous avons fait l'initiative, nous avons continué de travailler pour que nous formions les jeunes plus, pour que vraiment nous soyons capables des entrepreneurs modèles, des entrepreneurs citoyens qui sont capables d'engager le changement du pays. Merci un pile Patrick, donc nous vraiment content que vous arrivez connecté depuis Cap-Haïtien. Et Jude Lalane te voulait passer au micro pour parler un petit peu de problématique ça qui c'est manque accès à service public et qui jeune capable jeune opportunité dans ça. OK, très bien. Et effectivement pour que me faire expérience tous les deux côtés et je m'a continuer faire expérience sur. Il y a un problème, premier problème qui gagne, un déficit d'information et un déficit de communication. Parce que qui s'est passé? Et ma pour un exemple simple, parce que ma pensée est plus pratique, parce que c'est un thème d'expérience pour me parler par rapport à ça, nous besoin, pour que je nous apprenne, c'est pas, on va être théorique que nous besoin. Et il y en a un mari qui gagne, par exemple, soit gagne en termes d'entreprise, 80% mais 90% d'entreprise qui existait, l'on parle de légalisation d'entreprise, il y a une première étape pour entreprise légalisée, dans le même, c'est à l'NDGI. Et après, et toute entreprise presque, de vous dire, est-ce légal, il dit oui, il y a pas tant. Maintenant, alors que première démarche et un monde qui un jeune par exemple qui est intéressé d'avoir fond business, un c'est d'abord c'est gain idée business. Deux, c'est qui non la entreprise
et en même temps et maintenant c'est comment enregistrer non commercial business. Et automatiquement on enregistre non commercial business, c'est d'abord c'est ministère commerce et de l'industrie. Mais m'assure que à 90% monde jeunes qui veulent faire business pas connaît ça. Tout le monde parle de business, il faut qu'il y ait patente et il y a un DGI. Et qui a un pile problème. Et je dis, il y a un pile entreprise qui a 15 ans, 10 ans avec un nom, qui est obligé de perdre parce qu'il n'y a pas de connaître des marches là. Et c'est ça, et il y a un bagage qui me dit que c'est déficit d'information, ça fait que mon yo fait lancer business yo devant d'air. D'où il est important pour que je dis à mon cap suivre émission ça et activité ça, pour que vous connaissez désormais. Si ou gon entreprise ou voulez lancer en Haïti ou monter, faut que ou aller dans ministère de commerce pour enregistrer non commercial business. Maintenant, problème qui gagne au niveau provincial par rapport à ça, en principe, ou pas supposé monter par le prince ou bien voyer vérifier ça. Parce que pour même quand il y a du que ministère de commerce ou faut capable vérifier non commercial business s'il existait déjà. Mais sous au cap, sous nos provinces, sous nos communes, Saint-Raphaël, Dondon, Rankit, Pion, La Victoire, vous n'avez aucune façon que vous n'avez vérifié nos entreprises. À un moment de la durée, il y a un site internet qui est www.mci.gouv.ht qui te permet, quel que soit le côté, vous monter sur ce site là pour faire recherche sur nos commerciales là pour voir si existe ou pas. Mais je dis, ça n'a pas existé. Ça veut dire que de toute façon, même sous Saint-Raphaël, je prends un exemple Noah, que moi-même, Cap-Haïtien, comme un point focal. Ça veut dire que si on Saint-Raphaël, non, donc, qui pion la victoire, l'obligé de descendre quand même pour le vino cap. Pour l'aller dans le ministère de commerce, un, il faut le faire une lettre pour le demander ça. Deux, il faut le ministère de commerce, vous voyez, lettre là, bureau, je parle de bureau nord là, qui complexe, vous doit là. Il faut y voir Port-au-Prince. Et ça, après 15 jours, après un mois, après deux mois, après trois mois, je me connais. Ça veut dire que rien peut pour vérifier si non entreprise existe. Mon premier barrière et qui existait que rien que un ne parle de côté qu'on va connaître manque d'information fait que on va faire différence entre est-ce que c'est DGI avant est-ce que c'est ministère commerce avant deux l'offre n'arrive qu'on est c'est ministère commerce avant maintenant dépendamment dans qui zone ou dans qui commune vous voyez faut ou rentrer comme haïtien quand même pour venir déposer une lettre pour demander ministère commerce enregistrer non et même là au cap ta recevoir lettre ça direction départementale là, faut que la cheminée Port-au-Prince quand même. Et là, il y a Port-au-Prince, dépendamment qui dossier qui vient Port-au-Prince à traiter, ça va prendre 10 jours, ça va prendre 15 jours. Alors que, le même principe, la même loi, il dit que enregistrer un nom, pas supposé dépasser 15 jours. Ou imagine au dossier avant de Port-au-Prince, il prend le temps qu'il doit prendre, ou est samedi, et puis qu'on est là, 15 jours arrivé sur vous. Alors ce processus, dans l'article, dans la loi qui dit que pour enregistrer non, processus ça pas supposé dépasser 15 jours. Alors que ou dans province, ou dans commune, ou dans section communale, dans Cap-Haïtien, dans Nord, ça son premier, je pense son problème et qui fondamental. Et je dis à dans cadre débat, dans cadre réflexion que nous avons fait sous facilité jeunes garçons, jeunes femmes faire business, ça faut nous repenser. Faut que nous accompagnions, faut travailler avec le ministère du commerce sur ça, pour que il facilite. Chaque département a une base de données qui est disponible. Et je pense que je n'ai aucune raison que nous ne pouvons pas faire le ministère du commerce en réseau. Ou que Nord, Nord-Est, Nord-Ouest travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'un secrétaire qui, dans le ministère du commerce, qui est dans le Nord, capable de venir côté dans le bureau, il a réussi telle entreprise, il juste monter sur ce site-là, même s'il n'y a pas un site, il monte sur réseau qui est lié tout le bureau. Avec tout ça comme mot de passe et sécurité, lui monte et puis l'écrit non et puis il vérifie et puis là automatiquement tout nom qui semblait avec nom apparaît devant. Laisse ça, là tout dit que désolé que non sont vrai, bon monde qui gagne déjà. C'est ça. Patrick, après un mois pour que vous dites non et non ça arrive bon monde qui gagne déjà panati patata. Très bien. Moi, d'accord avec vous que accompagnement entrepreneur sont opportunité et nous pas inviter là mais par exemple nous gain pas au prince série de jeunes qui connait à commencer faire des compagnies qui a pas accompagné entreprise même fiscalement
c'est-à-dire aider au rempli taxes, aider au joindre accès avec nom d'entreprise, aider au former entreprise. Il y a des jeunes entrepreneurs qui même créent opportunité ça et tout. Mais comme nous pas des chances gagnons chaque jour, peut-être nous allons parler sur l'autre type d'opportunité peut-être qu'on ouais qui t'a gagné tout, que ce soit dans ramasser fatra, que ce soit dans accès avec série de services publics, surtout dans région et dans zone tant coup penser avec zone tant coup Milo, penser avec Vallière, penser avec Pignon, Pomago, qui l'autre type de déconnexion qui gagne ou bien accès à service public qui pas gagne quand on te ka wè opportunité pour jeunes. Bon, il y en a par exemple bien quand on parlait de ça de question fatra et nous-mêmes en Amérique par exemple dans discussion on a fait là actuellement que nous supposé lancer création de 30 micro-entreprises de collecte. Parce que fatra pour nous-mêmes cap haïtien et son problème mais en même temps c'est une opportunité. Et nous-mêmes dans cadre discussion on a fait avec une nouvelle commission qui là déjà nous identifier pour centre-ville historique là, c'est-à-dire de monde qui connaît au cap plus ou moins bien de route de jusqu'à carénage. La parole de fonds projet pilote. Mais projet pilote, c'est un projet que nous ne c'est pas nous-mêmes qui va le faire. Mairie va le faciliter création de 30 TPE. Ça n'a qu'à aller très petite entreprise, par zone. C'est-à-dire que nous divisons les zones qui sont en 30 blocs. Et chaque bloc, ça va être une petite entreprise. Et petite entreprise, ça va gagner à peu près 5-6 personnes qui restent là. Mais mairie va le subventionner pour que vous collectez. C'est-à-dire que vous va le travailler sur collecte. Pas pour ramasser dans la rue, mais de préférence de collecte. C'est-à-dire que on bloc que nous prenons bloc. Bloc là même s'il y a 200 ménages là-dedans, si un entreprise a 200 ménages, lui-même il va prendre passer bail sa chair, collecter et puis ramasser. Ça veut dire puis faire collecte là et puis nous-mêmes n'a travail tout dans l'autre niveau avec d'autres types d'entreprises qui peuvent faire transformation. Que entreprise ça va même pas prendre faire ça pour transformer. C'est là l'argent, ça nous relève valorisation des déchets. C'est-à-dire que ça, c'est ce que nous avons initié et sous peu, d'ici et début novembre, nous avons lancé et projet ça. Et maintenant, nous avons aimé que le modèle ça nous a lancé pour les Haïtiens, que plusieurs autres communes sont capables de profiter du modèle ça, tout pour la lancer dans la zone par et ça permet que nous propreté et ville soit capable d'être propre, commune soit capable d'être propre, parce que c'est une opportunité qui vient. Deuxième opportunité qui vient, par exemple, que au niveau transport, par exemple. Au niveau transport, par exemple, regardez comment on fait transport et dans la commune de Paris-Sien. C'est parce que le Paris-Sien, c'est une ville historique, c'est une ville touristique. C'est-à-dire transport par la supposée comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une opportunité que je n'ai pas rencontrée là-dedans. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est des problèmes que nous sommes capables de gérer. Nous avons l'autre opportunité, par exemple, la gestion des marchés publics, par exemple. Marché ou pas gérer, mais il y a une capacité pour gérer. C'est-à-dire que mais il y a une compétence pour être capable de traiter avec des compagnies privées pour faire gestion marché. C'est-à-dire que ce soit marché, que ce soit gare routière, que ce soit cimetière. C'est-à-dire que c'est des opportunités que n'obtenons nous-mêmes au niveau américain haïtien que des jeunes viennent proposer des petites entreprises pour nous dire que nous t'en aimons gérer marché haïtien. On dit d'en aimer gérer marché cluny. Parce que le fait qu'on gère marché cluny, ça va qui ça? Il y a un bon souci qui sont dans tête mairie. Parce que mairie pas seulement pour ramasser fatra, contrairement à ça, mon pensée. On mairie pas la seulement pour ramasser fatra. Debout dit mairie, tout le monde dit c'est ramasser fatra. Alors que ça, gestion, mairie a gagné pour gérer la commune. Que ce soit sécurité, que ce soit aménagement, ou ça me dit, un ensemble de bagages que mairie a gagné pour faire. Maintenant, je dis à me parler de plusieurs opportunités qui gagnent au niveau capaïtien que je ne sais pas trouver. Et à dire, ou ça me dit, par exemple, nous parlons de travail, nous faisons créer dans le niveau mairie un département qui est le transport et circulation. C'est-à-dire comment organiser le transport ville là, comment organiser la circulation ville là, parce qu'il y a un peu de blocus dans la ville là, mais c'est mauvaise gestion, c'est parce qu'il n'est pas géré. D'où nous créons un nouveau service dans Mérian ou Vinavel pour faciliter le service en même pour proposer des plans d'organisation et de gestion de la circulation et de la Mérian. Ça veut dire que pour nous-mêmes, c'est ça, parce qu'il y a un peu d'opportunités, mais opportunités là, et je nous dis là, nous sommes cités de droit. Et nous ouvert pour nous recevoir les jeunes, si eux même ont d'autres idées que nous capable garder qui partenariat que nous pas faire. Et forme jour n'a pas signé un protocole d'accord et sous peu entre mairie capaïtien, chambre de commerce et des entités dans niveau diaspora. Pour quelle raison? C'est pour même raison ça, parce que il y en a un groupe qui victime et la question business en Haïti, c'est diaspora. Ils victime plusieurs façons. Le fait que pas qu'on a rien de pays
communication et pratiquement non tige coupé, mais il est extrêmement intéressant là là et là nous pensons que victime de famille parce que et connexion antigène difficile et Patrick et alors retourner n'a capable peut-être parler plus et de ça mais là là est-ce que ouais c'est que Kounia mairie au tout mais yo gon responsabilité dans ça qu'a fait là et moi content que par exemple dans Pic là nous en collaboration avec justement et mairie dans toute zone ça yo donc nous gagnons un groupe avec toute DG etc. Donc yo gagne pour apprendre que c'est pas seulement responsabilité entrepreneur qui peut venir avec l'idée, etc. J'en ai fait là, mais yon même tout yon responsabilité pour créer des sections dans la mairie yon, qui a connecté avec les jeunes, créer des opportunités pour yon tout. Patrick, où t'es sous mute? Est-ce que nous copions là? Ok, nous rejoignons là. Nous copions là? Tu as parlé de l'initiative quoi pour avec Diaspora? Oui, oui. Nous avons parlé de son bureau, un nouveau bureau que nous avons lancé dans la mairie. Qui c'est un partenariat entre mairie, Cap-Haïtien, Chambre de Cour et des entités qui, au niveau du diaspora, qui c'est mon Cap, qui n'a rien venu investir au Cap, mais qui par qui des difficultés à avoir le bord de brin, c'est à manger pour bio. D'où on a créé Bio ça, qui sont bio d'information qui va lier et de facilitation pour que on diaspora, on mon Cap, qui n'a rien venu investir, que ce soit Cap-Haïtien ou dans la région nord là. Que la valeur d'un bureau ça qui va servir pour faciliter c'est-à-dire là encore c'est une initiative qui va faciliter d'autres opportunités pour jeunes garçons et jeunes femmes capable faire comme ou en cas d'accompagnement en cas et je vous dis là et question comment on peut faire patente comment on peut payer taxes ou en somme de bagages il y a un bon bureau qui son partenariat mairie Cap-Haïtien chambre de commerce et d'autres entités qui capable faire ça et cette initiative et très rapidement. Patrick, ma pose une dernière question avant de repasser et Jude Conlan. Dernière question, c'est mairie qui dit que yo dans troisième catégorie, mairie première catégorie, dépendamment de paquet de bagages côté que comme yo capable rentrer et taille population et tout. On parle pour mairie Cap-Haïtien là, on présente mairie Cap-Haïtien comme une gros mairie qui gagne département, qui a stimulé l'entrepreneuriat, mais qui conseille t'a gagner pour mairie avec jeunes qui dans mairie troisième catégorie qui gagne moins ressources en termes d'opportunités. Ressources, c'est par exemple, ressources, c'est par exemple, nous-mêmes, nous avons tout le monde qui a un problème. Ressources, c'est-à-dire que maintenant, mais c'est parce que mairie a lui-même, il y a une opportunité, il y a un pouvoir, il y a une compétence pour créer de nouvelles taxes aux communes, en termes de gestion. C'est-à-dire que mairie a, là, le CFPB, qu'il y a la carrière, il y a un problème, mais faiblesse, mais il y a une commune, c'est qu'il n'y a pas organisé service fiscalité. Les services fiscalité, c'est pour moi lié pour mairie. Ça veut dire que si on a un Delma, je dis à Ivo, ça le voit, c'est parce que Wilson, je dis réorganiser service fiscalité, réorganiser question CFPB, et réorganiser question et assurer que toute entreprise qui est dans la zone n'a pas tant. Est-ce qu'on voit une compression qu'il fait pour ça? Et l'autre bagage, tout, c'est que tout ce qui utilise un terme d'enseigne, billboard, tout bagage, ça, mairie a un droit sur eux. Ça veut dire ça, c'est comme qu'on garde. Les mairies en même dans troisième catégorie, c'est parce qu'il pas il manque organisé ou il manque gain. Maintenant, il y a une raison que nous même n'a parlé d'entrepreneuriat qui est important pour une mairie, c'est que autant de fois qu'on facilite plus création de business dans la commune nous, dans la zone nous, c'est plus on gagne un assiette fiscale plus riche. D'où on a intérêt comme mairie pour faciliter l'entrepreneuriat parce que taxe en ou ville de patente parce que chaque fois qu'on crée une entreprise qui crée et surtout mairie a intérêt tout puis accompagner ces entreprises informelles yo. Puis une formelle, parce que mairie a vivre de taxes. Ouais. D'où il est important pour que mairie assure que toute entreprise qui est dans la zone dans la commune, lui assure que il n'y a pas de parce que partout dans les communales. C'est tout ça que je pense que mairie a intérêt pour promouvoir l'entrepreneuriat. Il a intérêt pour encadrer le business, parce que ça a fait plus comme un, il y a plus de gens qui investissent dans la zone, et si le mairie est capable de faire, ça n'a pas des zones, développer des zones, ça c'est des zones d'investissement par rapport au potentiel des zones. Ça. Par exemple, il y a par exemple, il y a la qui a une plage, qui a une belle plage, qui a Ilara, qui a dit que c'est des opportunités. Mais comment convertir l'opportunité ça en richesse? Et mais il y a un intérêt tout, lui-même pour y vendre ça et pour permettre qu'il fait plus scope et laisse plus dans la communauté. Plus il y a vendre pour qu'on a fait promotion pour business, plus l'homme dit que mon yo a investi,
c'est plus à gagner parce que zone a vienne valoriser tout. Ou est-ce que zone a vienne valoriser et automatiquement zone a vienne valoriser, quand qui dans zone a vienne a bien bel hôtel, a bien bel bagaille, quand qui dans zone a vienne coûter plus cher et mairie a montré plus comme dans CFPB et mairie a fait plus comme tout dans question et taxe, dans question tout ça que gagne pour redevance. Et l'autre taxe qui a créé tout par rapport à service, circulation et ou est-ce que donc il est important pour mairie pour encourager l'autre mairie à promouvoir l'entrepreneuriat parce que ça permet que yo augmenter assiette fiscale. Excellent. Là m'a ba ou la parole mais regardez Alex Pierre, m'ta même nous clarifier ça pour Alex qui sous Zoom là qui dit merci Almono, est-ce qu'il est possible pour un jeune entrepreneur intervenir sur un problème qui rentre dans attribution l'état. M'ta même nous mettre nous clarifier peut-être pour Alex barrière yo ou bien limite yo. Est-ce que un business ca remplacer l'état? Est-ce que l'état doit travailler avec un business pour résoudre problème ni? On nous aider Alex comprendre très bien frontière qui existait entre l'état avec privé a pour lui capable comprendre que peut-être l'état a besoin justement série de monde qui capable aider lui faire travail lui bien mais pas des monde qui va le remplacer. Vous voulez parler sur ça Jude par rapport à expérience ou avec l'état ou bien vous parler de ça Patrick? Bon, pour mairie, je vais parler pour mairie, parce que mairie, bien on va dire DSP, c'est-à-dire que mairie a été capable de faire transfert, dans le cadre de transfert de compétences, mairie a été pouvoir ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire la gestion des équipements publics, c'est-à-dire équipements, tout ça qui fait partie de, par exemple, marché et place publique, et tout service public, ça, mairie a été dans une zone communale qui est publique, mairie a capable lui-même il sous-traite avec Bange, il dit Bange, et nous faisons protocole d'accord, et que nous allons gérer le marché à moi. Maintenant, nous chitons ensemble, nous disons que vous avez bien commencé à gérer le marché, vous mettez l'emploi et vous avez tout le bagage. Pas besoin qu'on ait rien de fatra là-dedans, pas besoin de ramasser fatra, pas besoin de chercher rien, ou même vous collectez un 10 marchés à 10 000 personnes, ou même nous étions d'accord que nous disons que nous avons payé 100 gouttes par semaine ou bien 100 gouttes par mois. Nous définissons un protocole et vous disons ça, OK. Mais ou bien ou quand vient vendre mon service ça vous dit ou bien tout vient vendre mon service vous dit que ou faire au fond plan d'affaires ou montrer que mais comment marché capable rentable pour mairie capable ici comme marché rentable pour mairie capable ici ou venir dans des projets puis mairie a dit pas un problème ou gérer marché pour nous c'est-à-dire que mairie a font transfert de compétences mais ça va dire remplacer mairie mais mairie arrête toujours en l'air comme un instance de supervision si ou pas fait travail ou pas bail rendement que nous te par rapport au protocole qui était signé n'a cancel et contrat et nous carré dans l'autre compagnie vinn gérer comme tout ça fait dans l'autre pays mairie pas gérer fatra encore dans aucun pays du monde c'est-à-dire parce que dès qu'on mairie gérer fatra déchets non on va faire 5 ans on va faire mandat c'est ça on gérer seulement c'est-à-dire que transfert de compétences existe pour mairie ont une capacité par rapport à compétences que la loi bail pour yo capable deal avec des firmes privées pour faire des échanges de services et pour organiser, pour gérer commune. Excellent, merci. Je suis content que vous clarifiez ça, Patrick. Et Jude, je passe la parole pour vous faire suite à la programmation et puis moi, je vais l'AFTA tout et collecter. Donc, merci, Patrick Almono, pour l'idée que vous partagez avec nous. Là, on va vraiment montrer nous que tout problème que nous sommes identifiés qui est lié avec le service public, c'est tout des opportunités. Des opportunités pour les jeunes, puis pour gagner des initiatives d'entrepreneuriat social. Et là, nous parlons plus accentué, nous allons utiliser un cas pratique qui est communauté pour montrer qui gens qui ont faiblesse dans l'état qui a bail service public, qui gens que jeunes fait ça tourner opportunité et puis au fond il prend initiative d'entrepreneuriat social. Là nous allons parler de communauté. Donc communauté, ma calen déjà t'a introduit communauté, il t'a montré vidéo a qui t'a montré application communauté dedans. Mais encore une fois, même dis nous à qui problème de service public que communauté y répond. Ben t'a identifié ta l'air. Un problème qu'il y a avec service public yo nous t'ai parlé de accessibilité nous t'ai parlé de existence en soi nous t'ai parlé de qualité par rapport avec manque information dans niveau collectivité territoriale par exemple en prenant cas mairie est-ce que ou même
Est-ce qu'on compte tout service que Meria lui offre? Est-ce qu'on compte qui ça quoi besoin en termes de papier, quantité l'argent pour gagner droit avec service ça? Meria bon côté parle. Est-ce qu'elle gagne information? Est-ce qu'elle connaît besoin citoyen? Est-ce qu'elle gagne façon outil dans même qui permet lui prioriser action pour qu'a plus efficace dans façon que la bail service public? Est-ce que citoyen il y a un moyen pour lui contrôler action autorité locale? Parce qu'en fin de compte, c'est eux-mêmes qui mettent là pour travailler pour eux. Est-ce que bon outil pour non seulement faire connaître problème et contrôler action pour garder si effectivement ils répondent avec besoin? C'est notre type ça que groupe 25 jeunes ça nous créer communauté. C'est pour justement répondre avec problème ça. Et quels outils nous résoudre, nous utiliser pour qu'à bah une contribution à résoudre problème ça. C'est une application sur téléphone qui est les communautés. Il est déjà disponible sur Play Store, nous capable télécharger. Et application ça l'a utilisé dans mairie d'Elma. Et dans quelques jours encore, l'a disponible pour mairie Cap-Haïtien. Et au fur et à mesure, l'a étendu sur territoire national. Application communauté maintenant qui s'allie concrètement. Si vous déjà téléchargé application communauté maintenant, c'est sur téléphone. Non? On peut avoir quatre fonctionnalités principales. Qui c'est s'y aller, ça qui c'est la fonctionnalité principale là. S'y aller à, il permet à un citoyen qui identifie un problème, qui relève de responsabilité de la mairie pour faire mairie à compte ça. Pour dire mairie à résoudre le problème ça pour moi. Qui j'en l'a fait ça? Par exemple, l'a décrit le problème là. L'a dit qui côté problème là. Et comme en Haïti, nous avons un problème adresse, nous capable même utiliser coordonnées GPS pour identifier côté problème là. Ou ka illustrer problème là avec une photo, yon voice. Et puis vous voyez alerte là by mairie. Automatiquement mairie recevoir alerte là. Il connaît met tel problème qui gagne. Qui qualité problème ça a que yon citoyen ka alerté la mairie. Par exemple, ou gagne yon difé par exemple. Pompier, c'est un dans service public. L'État doit assurer ça. Donc là, citoyen a une opportunité pour les problèmes ça manifester, pour alerter autorité locale. Construction cap mal faite. Pile fatra. Circulation qui bloquée. Il y a un cadavre dans la rue. Ou bien marché noir cap fait. Soit par exemple avec question tout change qu'il a connu à business qui a affiché prix en dollars. Donc ça c'est autant de problèmes que citoyen li ka alerté mairie sur. Une fois que citoyen li alerté la mairie li même li gen l'autre plateforme qui disponible et sous forme application et sous forme web. Parce que mairie a pas ouvert 24 sur 24. Donc yon site web moun ka fè suivi alerte nan mairie, il va forcément toujours gen ordinateur ouvert devant. Mais par contre, téléphone ni smartphone ni toujours dans même. Donc, deuxième application, ça, il est installé sur en version web et en version mobile, qui sous téléphone, moun qui en dans mairie a fait suivi. Automatiquement, il recevra alerte ça. Et lui-même, il a comme responsabilité pour alerter service en dans mairie qui a attribution pour répondre avec alerte ça que citoyen en fait. Est-ce que c'est voirie? Est-ce que c'est service pompier? Est-ce que c'est urbanisme? Donc, la orienter problème là que citoyen alerté vers service en dans mairie qui gagne attribution pour résoudre problème ça. Mais citoyen tout, l'elle fin faire alerte là, il pas camper là. Il y a possibilité pour suivre qui traitement que mairie a fait de alerte qu'elle fait. Est-ce que mairie a recevoir alerte là? Est-ce que il a approuvé? Est-ce que alerte là résout? Donc là ca suivre différentes étapes que alerte il fait à traverser en dans mairie. Parce que les citoyens font alerte, en même temps, tout faut protéger mairie. Pour les gens, pas bailler, pas faire n'importe qui alerte. C'est pour faire alerte là, mais mairie lui-même, il vient pour analyser alerte là, pour regarder est-ce qu'elle relève de responsabilité. Quand ça le cas approuvé,
ou bien le cas rejeté à l'état. Une fois que le fin approuvé à l'état, qu'on a citoyen a patienté pour le temps qu'il aimé a dit que le résout à l'état. Automatiquement que citoyen dit à l'état, en fait mairie a dit à l'état résout, citoyen ouais ça, ouais statut à l'état qui était fait sous application. Mais en même temps tout, même j'en se protéger mairie par rapport avec à l'état que citoyen a fait, même j'en tout faut protéger citoyen tout. Est-ce que mairie effectivement les résout à l'état que citoyen a été fait? Est-ce que mairie dans souci pour montrer que la travaille, que la bouger, que l'y actif depuis citoyen font alerte, il a prouvé le résoudre et puis loi souterrain pas fait. Là nous gagnons une fonctionnalité en d'application qui est les notifications qui permet de poser citoyen qui fait alerte la question lorsque mairie a dit résoudre problème là. Pour dire citoyen mairie a dit résoudre telle alerte ou t'es fait. Est-ce que c'est vrai? Il y a une possibilité pour dire oui, non, pour vérifier. Et ça c'est un message pop-up qui monte sur téléphone. Ça lui a même besoin ouvert application même automatiquement que communauté notifie ça message pour la monter sur téléphone là et puis la juste répondre question concernant le cas vérifier effectivement est-ce que mairie a été répondre à l'aide citoyenne et par rapport avec alerte yo communauté n'est pas en mesure pour vraiment faire pression sur mairie pour dire faut qu'on résout alerte yo faut qu'on bail réponse mais nous créer nous avons une petite pression quand même par rapport avec les statistiques qui ont publié chaque mois. Mais quantité à l'aide que mairie a recevoir. Mais qui pourcentage qu'il fait suivre avec eux. Mais qui pourcentage qu'il traite et qu'il résout. Là, citoyen, moun nan commune, a ka vraiment analyser travail que mairie a fait. Est-ce que mairie a li active? Est-ce qu'elle a l'écoute? Est-ce qu'elle a un souci répondre en problème citoyen? L'autre fonctionnalité que l'application lui-même li gagne, c'est urgence. Ou dans commune là, il y a plusieurs institutions l'état qui répondent urgence. Mais est-ce qu'on connait numéro de téléphone tout ça, toute institution ça? Si un accident fait, si un difficile qu'a prend. Est-ce qu'on connait qui institution pour geler, est-ce qu'on a numéro de téléphone? Donc en d'application, ou gagne liste toute institution qui répondent avec urgence yo. Et vous carré le directement sur l'application sans qu'on pas besoin de sortir. Par exemple, cette ambulance nationale, police, Croix Rouge, protection civile, EDH, bien-être social, pompiers, et même numéro urgence pour Corona. Donc, tout numéro de téléphone ça est disponible sur l'application. L'autre fonctionnalité, là, c'est pour aller là, c'est citoyen qui t'a alerté, qui t'a parlé avec l'autorité locale. Et leur fonctionnalité, c'est permettre que l'autorité locale peut parler ensemble avec les citoyens. Là, l'autorité locale a une possibilité pour ouvrir des alertes et des avis par les citoyens. La mairie peut travailler sur un tronçon route. Dans l'après-midi ou bien dans le matin, il peut avoir une alerte par les citoyens dans la zone pour dire à partir de telle heure, route ça tronçon route ça bloqué parce que la mairie peut travailler. Bon pile fatra que la mairie peut déplacer, ça a créé un blocus dans zone là. Tenez telle zone dans route là, évitez passer tel côté. Nous dans saison cyclone, mais qui préparation pour faire. Nous arrivons dans échéance pour payer impôt locatif. Songez faire ça. Donc là, la mairie gain possibilité pour parler avec citoyen. Donc son échange citoyen qui a parlé avec la mairie et la mairie qui a parlé ensemble avec eux. Il y a l'autre fonctionnalité en dans application communauté. Par exemple, nous avons mairie. Mairie, fonctionnalité ça, il y a toute information sur le service que mairie offre. Nous avons application, nous étions dans la commune Cap Haïtien par exemple. Nous entrons en dans application, nous regardons qui ça est pour locatifier. Qui papier que m'a besoin gagner pour me payer ça combien cob que l'a coûté permis construire droit d'affichage remorquage dossier funéraire tout service que mairie a offri yo m'gen information sur tout on ça m'a obligé faire plusieurs voyages dans la mairie information yo là et là tout communauté m'a travaille sur une fonctionnalité yon update dans application pour nous intégrer à payer mon cash directement en dans en fonctionnalité ça permettre que
service que mairie a offri pour citoyen yo ka paye yo à partir mon cash. Gen quelques services tant que impôt locatif tant que patente ça forcément passer par DG. Mais gen l'autre service que mairie a offri qui a créé l'autre taxe et là ka collecter yo directement sans que le pas passer par DG. Par exemple, on prend mairie Delma par exemple qui gen salle location. Besoin faire confiance, il gon salle location ko ka le nan men. Service ça ou capable directement par mon cash. Oui mon cash par exemple, machine nous prend panne dans la rue. Assez souvent ou mon cash comme yon punition que en mairie a bay ou mal parking et puis mairie a vinn prend remorque. Mais tout sous prend panne dans la rue car les mairies son service que mairie a offert. Ou vinn remorque machine là pour. Et ça ou capable directement par mon cash. Donc c'est intégré à payer mon cash en d'application pour permettre que ensemble de services que citoyen ka payer directement en dans application sans qu'il pas besoin de déplacer. L'autre fonctionnalité que application li gagne c'est T-check. T-check li permet que citoyen vérifie information en dans zone là. Donc gen rumeur, est-ce que c'est vrai, est-ce que son un intox lié, donc ka monter sur application hein, ou ka li gagne même yon bouton en WhatsApp qui sous li. Donc ou ka écrit directement pour vérifier mon information. Il y a une autre fonctionnalité qui est l'activité. L'activité est très intéressante. Il permet que les citoyens qui connaissent ce qui s'est passé dans le niveau commune. Est-ce que y a un festival? Est-ce que l'équipe de football commune va jouer? Est-ce que y a un bal? Donc, ensemble d'informations, ensemble d'activités qui sont dans la commune, pas au courant de eux. Donc, quand même, fait tri en fonction du centre d'intérêt pour connaître. Est-ce que maronne jeudi à samedi bagan m'a fait bon me garder qui activité qui gagne et puis là me monter sur application me garder qui activité qui gagne et mais rien en tout cas utiliser ça tout pour faire promotion activité qui gagne en dans commune et là ça tout n'a intégré à payer mon cash là tout pour permettre que citoyen ou bien la mairie yo capable payer une activité un cadre pour entrer dans activité et ça son moyen tout pour pérenniser communauté pour garder rentrer pour pérenniser projet à tout. Nous avons API Google Maps qui est dans l'application qui permet de jouer une adresse ou identifier un point stratégique dans la commune, soit un restaurant, soit un hôtel, soit côté commissariat, soit côté tribunal ou bien la mairie. Donc, nous avons une direction pour aller. Il y a une autre fonctionnalité secondaire que nous avons ajouté dans l'application qui est liée avec le contexte là, donc pas permanent. Par exemple, évaluation COVID-19. Ça, c'est un. Yon évaluation son algorithme que nous développer qui permet tout identifier cas suspect coronavirus dans ensemble de questions que vous posez et puis dépendamment de réponse que bayo t'a abouti en résultat et y a bon conseil sur qui comportement pour gagner et nous même gagne des médecins qui disponible sur son cas potentiel suspect coronavirus ou ka joindre en consultation par téléphone y a bon conseil sur qui attitude que de gagner. Donc en gros c'est ça communauté mié. C'est une belle application qui va être disponible très bientôt dans la commune au Cap et dans l'autre ville qui est aux alentours commune. Nous pas venir faire publicité pour communauté seulement même de vraiment voulu inspirer jeunes yo. Et ça me pense que vous faites très bien et objectif présentation ça que l'on a fait c'est pour nous retourner encore dans l'esprit nous pour nous dire tête nous mais un groupe jeune qui mettait tête ensemble qui crée un projet qui rivait répondre à un problème et monsieur bien présente au cadre problème ni bien lui explique au problème manque ou même qu'on a qui dans communauté bolakayo qui dans idée à toi ou bien qui pas dans idée à toi qui gens ou capable essayer ouais qui sont capable approcher et mairie Bolakayo garder pour qui problème qui capable gagner et ouais et particulièrement nous dit tout à l'heure là mairie ouvert à faire ça avec les transferts et transfert de compétences côté que capable bailler l'autre monde l'autre institution ou même comme jeune qui veut monter entreprise que ce soit dans Fatra que ce soit pour résoudre problème information qui capable gagner dans zone ou bien quel que soit le problème transport gérer marché c'est dans ça nous voulons réfléchir pour dire tout est-ce que ou pas ta capable proposer mairie Bolakayo une opportunité que ou même ouais et qu'on veut investir là-dedans comme jeune que ce soit comme un entrepreneur ou bien que ce soit un monde qui veut faire une activité sociale
en la communauté. Bon, c'est que, évidemment, application et communauté, nan, gon pile route pour le faire toujours, les nouveaux, mais nous vraiment content que yon arrive une connexion en dans des mairies. Et je pense que pour l'instant, c'est section communication mairie qui plus intéressé par là parce que c'est là que yon besoin de résoudre problème d'information. Mais en même temps, yon couvri un paquet de bon l'autre bagay et là où yon même vle faire application autour d'une opportunité pour porter business pour mairie, permettre de collecter comme par rapport à des services additionnels que mairie a ta vle ajouter dans sa affaire pour permettre de rentrer un petit cob, que ce soit service de remorquage, que ce soit service de location espace, ou quel que soit l'autre service que mairie a capable créatif pour lui créer, qui retire l'encorcan des GIA, parce que oui, c'est vrai, la loi haïtienne demande pour centraliser série de taxes d'abord à travers des GI, mais mairie a capable proactif, et ça, c'est message pas avec nous, là, qui voit ça avec vidéo, ça, dans le groupe, pour le focal, côté de travail avec tout DG mairie, pour comprendre que gain l'autre opportunité que vous capable créer. Nous pas voir personne moun al font application technologique en dans PH ou en dans Pomago. C'est pas ça nous dit. Objectif session matin que nous devons faire avant c'est pour nous te présenter un exemple. Ou même qui ça qui dans l'esprit pas ou qui sont capable créer pour profiter de l'opportunité capable gagner par rapport avec manque accès avec service public dans zone Bolakay. Et si ça clair m'bral peut-être pour quelques questions mais ouais sur live là avec dans zoom là pour et pour Jude et gon monde qui mandé et il mandé est-ce que et bon il gon monde qui dit que yo Delma et que yo pas attendre parler de l'application est-ce que capable pour faire information sur qui ça peut faire si vous voulez rentrer dans logique servir avec application communauté dans pour mairie Delma. Pour les gens qui sont Delma, je dis l'application est déjà disponible pour la commune Delma. Donc, c'est télécharger l'application sur Play Store, beaucoup disponible sur App Store. Donc, pour les gens qui ont un téléphone Android, vous pouvez télécharger sur Play Store. Et puis, vous pouvez seulement créer un compte, vous pouvez choisir la commune Delma. Et puis, automatiquement, vous avez toutes les fonctionnalités dans l'application qui est disponible. Aussi simple que ça. Racontez-moi comme jeune et Jude et de début à ça dit que côté jeune j'ai rencontré dans Elan de Jacques Mel me rappelle très bien à côté arrivé jodi a qui appréciation gain de est-ce que réellement un jeune qui a créé un projet pour aller loin avec est-ce que vous senti que ça possible et qui côté vous voulez aller avec application ça qui rêve ou gagne pour une application dans la communauté. Donc communauté initiative là commencé en 2018 là nous en 2020. Donc ça fait déjà 2 ans. Mais arrivé là dans étape ça il pas facile surtout avec contexte en sociopolitique pays et même sanitaire tout. On prend plusieurs pays lock, on prend un corona. Donc, ça aurait autant de difficultés qui t'a empêché que le projet allait atterrir. Mais on a l'autre problème que la communauté, je pense que tout groupe confronté, ça a depuis l'école, l'autre travail en équipe. Donc, on joue plusieurs monde qui sont motivés ou joue un monde qui peut motiver. Donc, la communauté, il rencontre des problèmes. Ça a des problèmes qui plus ou moins, il y a des problèmes qui sont internes, il y a des problèmes qui sont externes à la communauté. Mais puis le problème que communauté ou bien obstacle que communauté m'était qu'à rencontrer, c'est le fait que c'est une association qui travaille avec des entités publiques. Et travail avec entités publiques, personnalité publique avec entités publiques, n'est pas facile. Et c'est là puis le contraire que nous t'ai rencontré, yoté. Et là on t'a aimé by jeune qui conseille ça. Et d'ailleurs que je pensais que vous parlez de prendre des initiatives d'entrepreneuriat social, côté par quelqu'un pour faire interaction avec l'État. Et là, je vais vous donner quelques points importants sur qui j'ai pu collaborer avec l'État. Pour la communauté réaliser ça, réaliser, je veux dire. Première étape, je pense que toute organisation qui vient pour interagir avec l'État, vient pour faire. C'est bien comprendre le cadre légal, réglementaire, domaine qu'on peut évoluer. Dans la collectivité territoriale, je travaille avec la mairie, c'est comprendre, c'est gagner une connaissance
de cadre légal avec réglementaire de en fait secteur ça. Est-ce que mairie on mairie est capable dans service que le PACA offre yo, est-ce que le cas fait des partenariats public privé? Si ça pas possible dans cadre réglementaire yo, projet communauté tout camper là. Donc d'abord on va avec IDEA, c'est la première analyse pour faire. Ensuite, c'est chercher couverture légale pour organisation là. Et couverture légale pour toute transaction, opération ou échange qui va gagner avec l'État. Ou gagne entité publique là, ou gagne monde qui a interagi ensemble avec la qui représente l'État, mon institution tout. Par exemple avec la mairie ou ka gagne accord avec maire là. Mais son mandat que le gagne, si pas gagne là avec mairie en tant que administration l'État qui permanent qui gagne continuité de l'État ou ka après mandat mairie là et puis communauté bloquée là. Des projets côté gagne elle campé là. Yon l'autre point c'est bien identifier acteur. Il y a une différence entre institution et moun kap jere institution. Ou ka présenter projet a pour institution, ou montrer ki jan ke l pa améliorer institution, ki jan la pote en valeur ajoutée, mais gen moun ki kap jere institution ça. Faut ou mettre projet a on jan pour li même tout li jwenn avantage pa tout. Avantage al pa forcément pécuniaire, capable c'est image ko ap soigner, peut-être que c'est bilan quoi fait belle. Donc faut même les jeunes avantage, faut présenter projet en façon que monde qui représente l'État le retrouve là-dedans. Et un autre point, c'est comprendre enjeu à contexte moment. Communauté. Dépendamment de qui l'est, qui date nous t'est dans projet a, nous changer façon que n'a interagir avec entité l'État. Là nous n'en fait mandat magistrat yo. Nous gon gens que nous présenter projet a. Peut-être c'est pour montrer que vous réalisez. Donc, améliorer l'image et améliorer le bilan. Mais lorsque vous venez changer quelque cartel, nous changer stratégie. Nous avons plus vendre pour la communauté pour montrer que mairie, nous avons montré que nous travaillons, que nous prenons des initiatives, que nous venons pour porter des résultats. Donc, c'est bien comprendre l'enjeu et le contexte de la situation. On ka mener projet à bien. Donc communauté là nous lancer sur Play Store en fait oui sur Play Store Google pour monde qui a téléphone Android mais on travaille sur l'autre version tout. Pour ka disponible pour monde qui a téléphone iPhone yo. Et ça on a développé sur l'autre système qui c'est React Native qui permet les disponible sur toute plateforme net que ce soit monde qui a téléphone Windows qui a téléphone Android qui a téléphone qui gagne iPhone dans mes. Et puis il y a l'autre fonctionnalité tout que nous comptons implémenter dans cadre projet. Mais créer mission communauté c'est créer pont entre citoyens avec autorité locale. Application c'est un moyen que nous utiliser. C'est pas seul moyen. Ça fait très bientôt, nous allons organiser une formation pour nous montrer cap live sur page communauté, sur page branche tout m'inspirer. Va le montrer qui va faire divulgation sur attribution, sur responsabilité mairie. Pour ça, et mairie, et autorité locale, et citoyen, a bien un but de responsabilité, chaque. Donc, c'est perspective ça qui vient pour la communauté. Je suis très fier de vous, je trouve la présentation très, très brillante. Et ça a vraiment fait content que. Bon, je pense que je suis capable d'inspirer de monde comme ça. Et c'est justement ça que fait nous te mener Jude là pour qui l'a joué Jude? On a 29 ans. 29 ans. Ah, Jude a quitté jeunesse là derrière qu'on a. C'est année qui t'a passé. C'est justement des jeunes comme ça que nous voulons qui capable d'inspirer nous pour dans cadre participation dans programme là ou bien quel que soit monde qui a regardé live là connaît que ça parce que nous jeunes ça avait dit que nous pas capable de prendre initiative nous-mêmes et participer dans programme que Bange groupe éco à lancer capable une opportunité pour nous faire non Jude pas dans live toute la journée comme ça elle me connaît je dis à tout côté après Lili mairie après Lili tout monde besoin discuter avec lui c'est pas parce que lui seulement besoin shine mais parce que lui font travail et que lui travaille avec une équipe c'est vrai que bagaille difficile il pas toujours facile pour travailler avec équipe mais ou capable pour initiative
ou capable mener li en côté, ou capable bon vision, ou capable exécuter, c'est ou même qui pour dire tout que vous faites de ça en priorité. C'est vraiment un message ça que nous devons passer et profiter de relations qu'on est capable créer avec l'État. Bon, qu'est-ce qui est extrêmement important que Huguenz pose dans Zoom là, que nous devons parler avec vous. Oui, nous parlons de l'application, nous dit etc. que nous créons communication, mais très souvent, mais yo pas même des moyens ou bien pas même des volonté pour yo répondre à demande ça. Qui j'en expérience ou y a dans mairie Delma par rapport à ça et qui j'en application tenu ça encore. À travers statistiques que communauté m'li publié régulièrement sur réseaux sociaux, li permet nous garder en fait utilisation que mairie Delma li fait de application. Par exemple, on prend une statistique yo pour moi juillet par exemple. Pour moi juillet pour suivi à l'aide par exemple parmi à l'aide qui recevoir yo, gain 33% qui résout. En fait, 33% qui peut résoudre. Et 67% qui résout. Pour tout statistique yo, dans la lettre que vous recevez, te gain 44% qui peut traiter. Te gain 56% qui traiter. Traiter a veut dire lorsque mairie en fait lorsque le citoyen le fait à lettre là, est-ce que mairie li recevoir et puis est-ce que li approuve ou bien rejeter. Donc dans ensemble dans lettre ça yo, gen 44% que mairie peut ko fait travail ça pour dire est-ce que la prouvé est-ce que le rejeter mais te gen 56% que li fait pour mi traitement ça c'est bien quoi faire avec dans alerte que le traité yo gen 40% que le te rejeter donc il pas trop élevé de responsabilité ou bien que moun nan c'est juste t'a essayer garder ses applications bon ses applications marché mais il y a 60% que l'été a prouvé. Donc, statistique, ça a montré l'utilisation que mairie Delma fait de l'application. Mais on l'autre point, c'est vrai, c'est mieux une situation ça que la mairie li répond à l'aide, li résout à l'aide, ça est mieux, ça est idéal. Là. Mais li répond, li pas répond, gon réponse que n'a besoin. C'est à qui degré que mairie est à l'écoute de la population. Et c'est ça qui est important, qui est plus important pour la communauté. Non, c'est ça. Moi vraiment d'accord avec vous ça. Et évidemment, pas oublier que bon culture tout qui peut qu'on gagne en Haïti que quelque part la communauté a généré culture ça. Et c'est ça qui fait mon content qu'on dit que on va faire formation et pas juste camper la côte juste font app et pour juste laguer app là dehors. Ou voulez faire formation, ou voulez sensibiliser mairie. Et travail, ça, c'est un travail qui sensibilise et mairie et entrepreneur. Et c'est ça que fait, tout à l'heure, les patrons qui ont parlé, on a dit que travail là, pas supposé seulement un travail entrepreneur, mais il faut mairie autour, ou une opportunité à travers l'entrepreneuriat pour être capable de générer plus de revenus, que ce soit à travers patente, que ce soit à travers des services additionnels que vous voulez mettre en dans zone. Et moi ouais que gain l'AFTA qui là m'a pas contre devle bal dit deux mots parce que me connais que l'AFTA était supposé là depuis le début et est-ce que vous peut-être dit deux mots ou bien faire quelques commentaires généraux sur ça qu'a discuté là l'AFTA qu'a ouvert caméra avec micro pour dire mon bonjour et Jules qu'a peut-être introduit l'AFTA pour dire pour qui raison t'es invité lui d'accord l'AFTA du clair il c'est gestionnaire il c'est spécialiste en finances publiques et il travaille dans audit au niveau administration publique là. Donc l'AFTA t'es gain pour intervenir pour te montrer en fait pour faire mise en contexte de services publics de l'État de différence qui entre l'État et administration publique là qui ça qui un service public pour te faire différence entre un contribuable avec un usager. Donc c'était là intervention l'AFTA. Peut-être que l'AFTA va intervenir pour parler de ensemble présentation qui point de vue que le gain de lit. Mais de manière très brève, parce que nous avons déjà dépassé le temps et vous avez déjà essayé de faire une présentation sur ça déjà. L'AFTA, par contre, sur quelques commentaires, des bagages que peut-être nous pas dit. L'AFTA? L'AFTA? Bon, l'AFTA semble pas disponible.
Alors, si la PTAP est disponible, je pense que nous arrivons dans la fin de la présentation. Hein, et... Je salue nous tous et c'est un plaisir. Il y a une personne qui a coupé des difficultés techniques. Ben, et bon, on n'a pas obligé de camper là parce que nous arrivons dans la fin de la Jude. Je pense que, encore une fois, je suis très, très, très fier de vous, du projet que vous avez mené. Et moi, mon projet, ça a pris naissance, mon projet a grandi. Et donc, là, on va faire le pas pour présenter peut-être une, deux parmi les plus gros municipalités qui gagnent dans le pays. Et moi, ouais, en pile futur intéressant. Par contre, second dernier message pour jeunes qui ont écouté et live ça, jeunes qui ont écouté. Live va te gagner en pile monde sous l'île parce que nous déjà fait peut-être 7-8 000 vues là. Et qui sont abdits à tout le monde ça? Bon, pour me conclure, on me dit que l'État, dans pile domaine, il constitue, il tourne un frein pour l'initiative. Mais en même temps, tout, à chaque problème, c'est une opportunité qui crée. Et les nous dans l'État, c'est des opportunités d'entrepreneuriat social. Donc, à chaque problème, nous critiquons, certes, mais essayons de regarder quelle contribution que nous apportons pour résoudre le problème. La communauté, nous apportons une contribution. Ou même, nous encourager une contribution, ça, lorsque vous utilisez l'application, soit dans la commune d'Elma ou prochainement dans la commune Cap-Haïtien. Mais même là, pourquoi dans la commune, ça, on peut toujours télécharger l'application, parce qu'il y a une autre fonctionnalité qui est toujours utile. Et si vous allez dans la commune, ça, soit Delma ou bien Cap-Haïtien, on peut toujours télécharger l'application. Donc, encourager l'initiative ça et nous-mêmes, pas hésiter pour l'initiative. Excellent, excellent. Jude, je pense que le message là, pour moi, dernier message pour me fermer, pas oublier, on a pris rendez-vous à midi. On a pris l'autre présentation qui va sur la sécurité du citoyen. Donc, on a pensé rentrer dans des thèmes qui sont un petit peu plus souples pour nous capables de permettre que les jeunes qui ont idée sont capables d'améliorer l'idée. M'a rappelé nous que il y a 35 jeunes qui 35 l'idée en fait qui déjà passé pour l'étape prochaine qui va gagner pour objectif pour préparer un pitch deck qui pour présenter projet entièrement. N'a pour nous faire formation sur ça lundi à 4h de l'après-midi. Pas rater formation ça soit pour présenter un pitch deck pour la prochaine étape là. Objectif formation ça qu'on a fait weekend ça c'est pour permettre de penser à des bagailles des petites touches qui capable plus souple par rapport avec pertinence projet que vous voulez faire et espérer qu'il y a capable utile pour aller plus loin. Objectif panel jodi a c'était vraiment pour nous inspirer. Merci Patrick qui t'est branché. Par contre si Patrick gon dernier mot tout que livre les bail en vent nous fermer, il a juste ouvrir caméra li ou bien ouvrir micro li pour lui dire un dernier mot. Mais c'était vraiment un plaisir pour moi gagner nous. Avant de fermer ma bail Patrick dit un dernier mot à toute jeune qui ont réfléchi son projet dans zone Bolakayo, qui a pensé à qui Jean peut capable interagir avec mairie, qui a pensé réfléchir à problématique qui Jean est capable compléter travail mairie, aider mairie pendant que mairie a aidé ou des jeunes qui en général qui a pensé penser à des projets pour communauté. Patrick m'a bon la parole pour dire peut-être un dernier mot. Avec tout merci beaucoup et son honneur encore moi remercier tout jeune qui t'a suivi nous moi voulais dire nous que mairie américain haïtien li ouvert à toute proposition que jeune yo t'a voulu faire en termes d'entrepreneuriat et n'a parlé tout yon a parlé que et je t'ai parlé tout à l'heure que nous même on va travailler sur li et on expert qui travaille sur li avec nous là et n'a pas lancé c'est question d'adressage au niveau et ville là au niveau commune là parce que nous constatons que en ville là on est 90% monde pas gagne adresse parce que l'organisation communale c'est des constructions anarchiques qui fait mon prend zone parce que pas oublier qu'il y en a qui gagne pas de planification urbaine qui déjà fait pour permettre que vous trouvez construire qui sort de café là comment on doit faire mais je dis on va travailler sous peu pour que nous va lancer un programme d'adressage qui va permettre que au moins nous gagne une trentaine de jeunes qui parlent dans la rue si mon capable pour capable permettre que nous travaillons sur un projet d'adressage et laisse ça il va aider tout là la question alerte partout qui permettent que information dans même dans question mairie à tout l'information venir nous plus ou moins car ouais qui côté sorti qui zone tout ça ça on va en plus que devrait ajouter par rapport à il y en a activité que conseil commission municipale lui-même fait lancer et nous dit que entrepreneuriat c'est seule façon que on monde gain droit et pays développer bien on commune à développer et jeunesse lui-même son ressources sûres. C'est parce que il est important pour que yo prenne initiative, pas décourager, ou pas peur prendre initiative parce que si pas prendre initiative, c'est pas prendre initiative pour
et je dis à nous gagner intérêt pour que nous prenions des initiatives économiques et nous gagner intérêt pour promouvoir l'entrepreneuriat social. Et Myriam, après, pour accompagner nous dans ce sens-là. Merci beaucoup. Nous étions disponibles. Patrick, il y a un monde qui vraiment pose une dernière question qui fait m'obliger pas qu'à fermer. Côté, il dit que lui-même, il peut aller parler avec Myriam. Parce que chaque fois qu'elle parle avec Mirio, Mirio dit qu'il a travaillé sur le projet ça déjà. Qui idée que vous capable de bailler un jeune qui envie d'approcher Mirio pour proposer un projet ou bien proposer un service que business lui offre? Qui conseille vous capable de bailler un jeune sur ça? Le problème pour ce qui est un jeune, c'est que il y a un bon moment que j'ai dit que vous voulez l'idée. Et c'est moi-même comme monde qui a fait correction sur le plan d'affaires, sur le plan d'affaires. Idée lui-même sans même gagner même idée mais c'est développement qui compte différent. Ça veut dire que c'est pas parce que mon a dit que devine la mer il veut mettre un puits et dans rue 5 évidemment matin on puits dans rue 5 et puis dit ça c'est idée il prend est-ce ouais. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est ça qui caractérise dire que maintenant c'est stratégie à dire que nous tous les deux par contre on voit ça que on parle à un jeune deux jeunes à parler ensemble et pendant m'a dit mais qui projet gagne puis ou même tout dit ou tu veux faire ça mais ça est-ce ouais mais développement ou pas même. C'est-à-dire qu'il faut que nos formations à faire tout pour nous garder idées de qui sont en idée et qui sont projets d'affaires. Ça très important en termes de différence. C'est-à-dire qu'on idée pas forcément un projet. C'est-à-dire qu'au cas où on idée, idée avant même faisable même ou bien que il pas. C'est-à-dire que ça c'est dans le cadre de formation pour que nous ça n'a pas dit parce que généralement jeune qui nous a dit bon idée puis tu veux le projet il y a des confusions. Maintenant par rapport à ça, on monte quand on mairie qui dit que mairie a dit la période. Par contre, est-ce que ça le travail? Est-ce que qui ça est-ce que ça le porter comme document, qui ça lié? C'est comme nous à la banque ou maintenant et je dis il est important là on a parlé de business, on a parlé de plan d'affaires. Faut être clair sur ça, on a parlé de business, on a parlé de plan d'affaires. Est-ce que son business ou dégain ou dit que vous proposez mais il y a mes plans d'affaires qui ça lié et que vous dit mais il y a 4 suite à mais ça. Est-ce qu'on comprend? Par contre, il a dit ça et tout on moi même qui l'a aujourd'hui me garantis son monde c'est à dire que souvent idée ou bon plan d'affaires maintenant il n'a que document il n'a plein d'affaires là nous garder si faisable d'affaires faisable mais comme de tout il entre dans quatre partenariats privé on a dit qui paraît privé public mais j'aime dire tout à l'heure que Myriam gagne capable faire des transferts de compétences ou faciliter jeunes ça qui gagne idée ça et monsieur bail des filières qui assez intéressant que si on venir dans le domaine ça Myriam est même capable accompagner dans ce sens. Excellent. Et John, m'a dit ou John, pas essayer seulement à louer Mirio avec un idée. Essayez d'offrir au plus. Parce que le monde la vient plus compétitif. Et pas seulement le monde, mais Mirio tout. Vous comprenez? Si chaque jeune qui just shit à la Kaili, et puis il a une idée, il vient louer Mirio avec une idée, il est très probable que Mirio travaille sur lui déjà. Mais qui ça lui offrir en plus qu'un simple idée? Qui ça lui capable de faire déjà? Et ça fait, faut essayer peut-être profiter de petits concours qu'il a fait, ou bien garder pour être capable de jouer un petit moyen. Autour de vous-même, gardez pour ce qu'on peut faire partenariat avec l'autre monde tout, pour offrir plus qu'un seulement l'idée. Un monde qui apparaît, il dit oui, je travaille sur ça déjà, mais ok, je travaille sur ça déjà, mais moi, mais ça me fait déjà. Mais qui côté je vais opérer? Moi, même si les petits, je vais peut-être, son contrat a besoin avec Myriam, ou bien on besoin offrir Myriam en partenariat public-privé. Essayez d'aller plus loin. Et même la Myriam a dit, je travaille sur lui déjà, ok, je travaille sur lui déjà. Qui s'en fait déjà? Qui ça vous même capable peut-être porter pour comme un additionnel par rapport avec projet ça quoi fait déjà. Essayez porter des paquets qui plus complet qui capable permettre mon yo sentir que et y a besoin de valeur ajoutée dans son portefeuille. Parfois tout c'est ça qui était une pigo crainte que me gagne pour communauté. Là on arrive dans mairie, mairie qui pas même staff qui disponible pour interagir avec comme monde comme ça. Yo t'arrive quelque chose ça avec Delma et gardez pour eux. Yo lancer application avec commune Delma, yo vin la nan Banjlan, yo lancé tout de suite après, c'est Almono même qui dit ah non, bagay ça intéressant, mon ta remen gagnel pour commune Pam, en essayer voir qui sont capable faire connexion pour le marché. Et gardez jodi a mon très très fier pour moi. Bon, et j'ai l'impression Jude puis partner et Patrick que moi connia, mais un problème pour ça du tout. Et mieux que ta aller au cap, il y a travail. C'est-à-dire bon volonté les soap créer puis parer ou bien les plus proches de résultats que y a cherché à. C'est pas une simple idée, li capable aider au plus, à dire travailler sur projet va faire améliorer li, offrir une expérience qui plus profond pour qui gens qui capable peut-être porter des paquets qui plus complet pour mairie quoi essayer approcher et pas seulement une idée. Eh bien mes amis, nous fait trop de temps là à nous durer. Encore une fois Patrick, merci en pile de ce que
ou même vinn parler là dans voix un monde qui en don mairie et que nous t'es vraiment vle ça tout et que ou aider ou inspirer peut-être mairie autour parce que gien nous un groupe j'aime te dire avec directeur général en pile mairie dans toutes neuf zones côté que n'a opéré yo moi t'a souhaité que vous tendez tout message yo pour voir qui sont capable améliorer relation avec jeune yo. Évidemment Lalan, moi content encore que vous t'ai partagé expérience ça avec tout le monde pour permettre de sentir que jeune yo capable prendre des initiatives et que gagne des petites histoires succès et ça fait me fier de vous, ça fait me fier de Elan tout et m'espérer que vous êtes capable continuer travail sur projet ou a et puis les fini vous êtes capable et inspirer plus monde et m'ta souhaiter gagner encore avec peut-être l'autre groupe de jeunes parce que c'est une qui peut inspirer l'autre pour nous capable avancer plus loin. M'a fini avec on m'a partagé dernière vidéo encore pour tout le monde qui a demandé qui sa communauté mieux et qui bel travail que nous t'ai fait. Et au revoir messieurs et à bientôt hein. Maintenant, tout le monde t'a le là à midi, n'a pas eu l'autre formation sous sécurité du citoyen qui a fait en espagnol, mais qui a fait traduction simultanée en créole. Donc, à tout à l'heure, reconnectez encore, mais lien sous site, sous page Benjamin, ou capable de lien pour capable connecter encore. Réservez-vous les. À bientôt.